parce qu'il me met mon légume. Il y a des radis. Non. On ne fait pas ça. Un porou. Non, merci. Hé, hey, toi avec ta tête de vegan, tu vas me prendre un porou. Non, je ne vous prends pas. Bon, alors, dites, on vous avait fait venir pour parler de votre situation, pas pour vendre vos légumes, hein. Eh ben oui, mais moi je n'ai plus le choix pour survivre. Je dois vendre mes produits en circuit court, en circuit que je dois les vendre en circuit. Excusez-moi, je comprends pas très bien ce que vous dites en fait. Mais en fait, je fais des produits, moi je les revois à l'agroalimentaire, mais ça ne rapporte plus rien. Je vais les racheter chez Colruyt parce qu'ils font des promotions et puis je les revois et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est une bonne idée, hein, que... Attendez, mais si vous les achetez, pourquoi vous les prenez pas directement de votre jardin pour aller les vendre à bas prix directement alors? Eh ben... Ah oui, c'est vrai, tu sais que ça demande réflexion ce que tu viens de me dire, franchement... Mais il faudrait parler un petit peu moins vite parce que franchement, je comprends pas... Attendez, je peux traduire. Non, vous ne voulez pas traduire, non. Vous sortez, non. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il dit que vous ressemblez à une grosse motte de beurre et que vous êtes parfait. Non, mais c'est ça, sortez maintenant, merci, accompagnez, merci, allez. Non mais regarde, alors, j'ai aussi ici de la viande locale de ma propre exploitation du Borinage, mais d'Argentine. Mais ça, attendez, expliquez-moi parce que j'ai pas... Ben, j'élève mes propres bêtes chez moi dans le Borinage, mais je leur fais des injections qui viennent d'Argentine. Regarde, j'ai une photo, regarde, voilà, fais des injections. Oui. Ben, c'est un taureau. Non, c'est un petit veau. De 3 jours, mais seulement après une injection. Ces gens n'ont pas l'amour de la bête comme nous, alors tu dois aller vite. Regarde, je vais te montrer la preuve que tu vas aller vite. Ça va, toi, Faye? Comment est-ce que ça va? Regarde. Ils vont tellement vite que la bête n'est même pas encore au courant qu'elle est morte. Et les injections qui viennent d'Argentine, faut faire attention, hein, parce que si tu fais une deuxième injection, oh là là, tu te retrouves comme ça. Attention, hein. D'accord, bon. Oui. Bon, dites, vous venez de la région du Borinage, vous, dans quel coin se situe votre exploitation? Du côté de Snom. Snom? Vous connaissez pas Snom? C'est où ça, Snom? Mais c'est Mons, mais comment on a mis la plaque à l'envers? Snom! C'est vraiment malin! Eh oui! Tout le monde connaît Snom, hein? Oui, d'accord. Tu sais que. Okay. À Snom, hein, le seul dont on ne met pas le nom à l'envers, c'est David Jean-Mott. Parce que si on le retourne, eh ben on le remet à l'endroit. D'accord. On sait quelque chose. Oui, hein. D'accord. Bon, ben on ne veut pas le savoir. Alors... Recochon. La politique agricole commune, qu'est-ce que cela vous impose comme contrainte? Ça, tu m'en parles pas. Quelle saloperie, ce truc-là, je te jure. Ça n'arrête pas. Tous les jours, je dois remplir plein de formulaires. Regarde un peu ça. Tout le temps, des formulaires. Et je n'y comprends rien. Tout ça, je dois remplir tous les jours. Et donc, ça, ce sont des formulaires donc, que vous devez remplir par année, c'est ça? Non, ce sont les formulaires qui t'expliquent comment remplir un formulaire. Pour une aide de l'Europe, il faut demander un formulaire. Pour pouvoir demander un formulaire, tu dois avoir un deuxième formulaire. Puis tu remplis un troisième formulaire qui t'aide à valider le fait qu'on ait compris que c'était un formulaire. Et grâce à ça, tu as un formulaire pour encore avoir un autre formulaire. Merde! Mais ça doit être... Vous faites comment? Ça doit être intenable, ça, en fait. J'ai pris une boîte postale au Brésil pour la viande, une en Turquie pour les légumes. Et depuis, je dois juste remplir ça. Ah oui, ah ben ça, ça va beaucoup plus vite. Ah, hein, j'imagine. Mais il faut quand même des vérifications de votre produit à un moment, hein. Comment ça, il faut des vérifications de mon produit à un moment? Mais ça va, hein, c'est des malades à l'Europe. Hein. Ah, regarde, attends, regarde. Je sais bien. Je vais te montrer. Ils nous obligent, par exemple, pour le moment, à mettre ça. Ça vient d'un Camino, regarde. C'est un poids catalyseur. Exactement. Et quoi, il vous oblige à mettre ça sur votre tracteur? Non, et sur nos vaches, pour réduire le gaz à effet de serre. Et dès qu'elle pète, ça fait un trou ainsi dans la couche. C'est invivable. Mais non. Je les connais, il ne leur faudra pas longtemps pour qu'ils nous demandent de passer nos voitures, nos vaches en électrique, hein, tu vas voir. Oui, non, mais ça, c'est pas possible, hein, de passer vos vaches en électrique, hein, ça, c'est pas possible. Ah ouais, comment ce n'est pas possible? Et regarde, j'ai déjà des collègues qui ont déjà pris les devants pour éviter les problèmes, regarde un peu. C'est les vaches, hein, elles sont passées au photovoltaïque. Et ce n'est pas tout, hein. Les vaches doivent produire un litrage imposé, maintenant. Un litrage imposé? Maintenant. Mais c'est pas possible, mais comment pourriez-vous réduire le débit des vaches? Ah, ben ça, c'est parce qu'il faut placer ça à la sortie de la vache.
les chauds, les froids. Si c'est trop chaud, tu remets du froid. Moi, j'aime bien qu'ils soient chaude. Alors, c'est parfait. Et, non, c'est vrai. Et mon frère, il a une coopérative à Xuelor Titep, je crois, oui, c'est ça. Xuelor Titep? C'est où ça? C'est au Pérou? Mais non, c'est petit rue. On a retourné les panneaux, je te le dis. C'était incroyable, hein? Eh bien, il doit remplir un formulaire aussi tout le temps, de 3723 pour prouver que ses poules ont été nourries avec des graines de maïs non traitées d'origine locale et roulées entre les aisselles par le géant vert. Et c'est quoi le problème? Ben, il n'a même pas de poules. Ah oui, bon, alors ça, oui, dans la... ça faut être là, il faut être inventé, il faut passer à côté, il faut élargir le circuit traditionnel. Bien par sûr. Exemple, moi, mes courgettes, oui. Elles partent dans les sections, ben, il y a une grotte de mort. Non. Et alors, quand on parle d'élargir... Non, ça va, on n'a pas besoin des détails techniques, on a dit qu'on ne faisait pas les gestes en répétition. Mettez la courgette. Oui, non, on a dit qu'on ne faisait pas les gestes en répétition. Bon, alors... Grosse courgette. D'accord, bon alors, qui l'autre fois? C'est qui ça? Bonsoir. Non, attendez, c'est la famille Adams, ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Tu vas voir, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Sandra Cognienne, fonctionnaire à l'Europe pour le bien-être animal. Ah oui. Animon Fumier, responsable de l'administration agricole pour l'Europe. Oui. J'ai rempli tous les papiers, hein. Je vous le dis déjà, hein. Ça prouve que je prends soin de mes animaux de mon élevage. Hein. Tout est ici dans l'appartement. J'ai rempli, tout est ici. Voilà, lieu de naissance, lieu d'élevage, lieu d'abattage, coordonnées GPS de chaque bête, certificat de bonne vie et mœurs. Dites, je vois que vous faites dans la reproduction. Avez-vous rempli le formulaire B13? C'est lequel encore celui-là? Le formulaire de consentement. Ben enfin... Les vaches doivent être consentantes pour s'accoupler maintenant, c'est exactement, ça? Exactement, le programme hashtag MeToo. Oui. Voilà. Donc le vétérinaire doit attester que la vache était consentante, qu'elle n'avait pas la migraine. Qu'elle n'était pas bourrée à Liège dans le carré de bœuf. Il n'était pas monté comme un taureau, si Freddy. Et surtout que le taureau n'avait pas mis sa patte à la culotte ou au faux filet. Eh ben, il y en a des jeux de mots. Dernière chance, remplissez ce formulaire. Mais lequel est-ce? Il y en a 10. Le certificat d'attestation de la grandeur des pies qui prouve que la vache a atteint sa majorité. 3,14. La taille des pies, 3,14. Elle m'a volé ma vanne. Voilà. T'as bien fait. Très bien. T'as bien fait, Lydia. Bravo. Pour rester solidaire en temps de temps. Eh, on va pas se laisser emmerder par des fonctionnaires européens. Vole-leur toutes leurs blagues. Parce que voilà, ça devient n'importe quoi, les prérogatives. Hein, alors, pardon, hein. Non, et ça n'est plus possible. Hein. Avec ma femme et mon fils, on ne s'en sort plus du tout. Ma femme, elle aimerait bien qu'on ait un deuxième enfant. Mais moi, si c'est pour qu'il voit ses parents trimés comme ça toute la journée sans rien gagner, je préfère pas. Hein. Vous voulez d'un deuxième enfant? Ben, ma femme, oui. Ouh là, alors là, il faut remplir le formulaire, c'est 8626, en 10 exemplaires, avec la date prévue pour les saillies, et les moments où vous laisserez votre épouse en jachère. Comment? Mon épouse en jachère. Assolement triennal pour les relations intimes, monsieur. Hein? Vous entamez d'abord le terrain principal par la grande motte, et puis après, oui. Vous récolterez les produits de bouche. Oui, non, ça va, on a compris, ça va, on a compris, merci, oui. C'est un scandale. On va aller bloquer les routes vers Strasbourg. Vous allez tout voir tous ces nouveaux élus qui ne pourront pas se rendre au Parlement pour toucher leur salaire mirobolant. Vous pensez qu'il faut aller au Parlement pour toucher son salaire? Il est drôle, il est vraiment... Oui. On reviendra. Mais franchement, c'est une honte, tout ça ne sert pas le consommateur. Hein. Mais nous, on travaille pour les actionnaires, pas pour les consommateurs. Tenez-les-vous pour dit. Dites, j'ai une question à vous poser. Je suppose que vous êtes toutes les deux célibataires. Oui. Ouf, alors il faut remplir un formulaire. Ben merci, ben voilà.